Salut à toutes et à tous, on va pas faire d'intro parce que entre nous, c'est assez énervant. Alors, on est là pour une nouvelle vidéo sur le PC. Alors, cette vidéo, vous avez dû le voir dans la miniature et dans le titre. Ce sera quels sont les deux meilleurs logiciels de montage gratuits. Donc, on va commencer par le meilleur en terminant par le plus nul. Évidemment, il n'y en a que deux, donc vous avez compris. Donc, pour moi, le meilleur est Lightworks. Donc, vous pouvez voir ça. Son logo, c'est ça. Donc, Lightworks, c'est un logiciel qui s'ouvre comme ça. Bon, évidemment, là, on a nos projets. Donc, moi, j'étais évidemment dans le test pour la vidéo, vu que c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, pour utiliser Lightworks, en fait, vous allez voir que c'est un peu le même principe que le second logiciel. Vous allez ouvrir vos fichiers. Par exemple, moi, si je veux mettre mon intro, je fais ça, clac, bam. Je mets ça dans la piste. Donc là, j'ai mon intro. Voilà. Donc, là, tu connais, voilà. On a la petite intro. Donc, ensuite, si je veux mettre, évidemment, une autre vidéo. Donc, une vidéo que vous avez sûrement vue si vous me suivez. C'est là. Et là, du coup, c'est le calendrier de la chaîne YouTube. Donc, là, par exemple, on met ça. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous la recut. Donc, là, c'est pas un tuto, la vidéo, mais quand même, on va faire avec. Donc là, en fait, vous allez voir pourquoi je veux cut. Parce que du coup, vous savez, moi, j'utilise Streamlabs pour capturer mon écran. Parce qu'avant, j'utilisais OBS, mais il marche plus. T'as capté. Voilà. Salut à tous. On va pas faire... Donc en fait, je vais utiliser pour couper parce que on voit mon Streamlabs au début. Donc finalement, voilà, vous voyez ça, on voit mon Streamlabs. Donc moi, ce que je vais vouloir faire, ça va être de couper mon Streamlabs. Donc je vais faire ça. Je vais cliquer sur le petit truc bleu là. Il y a un petit truc bleu qui va apparaître. Je vais prendre le truc rouge et je vais mettre ce que je veux couper entre les deux et je vais appuyer. Là, ensuite c'est coupé, on recadre, on remet. Salut à toutes et à tous. Voilà, ensuite si vous voulez une petite technique, bon ça c'est gratuit parce que personne ne connaît genre. Vous allez dans VFX plus Mate, vous prenez ça, vous le glissez là. Voilà. Ensuite, vous retournez dans monter. Vous avez ça là. Donc, moi, je zoome. Je vais le cut comme on a fait. Donc, je vais faire cric. Bam. Donc, évidemment, je le fais pas. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Donc, évidemment, je le fais pas sur la chaîne de YouTube parce que je trouve que c'est un peu ceux qui font les vidéos Glock qui l'utilisent. Parce que regardez ce que ça donne finalement. On va pas faire d'intro parce que entre nous c'est assez énervant. Bon là je me suis raté mais c'est pas grave. Donc vous avez vu le concept. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a vu comment était Lightworks. Donc évidemment Lightworks c'est juste un logiciel pour additionner, couper. Mettre des fois quelques petits textes, parce que si vous allez dans VFX plus Mate text, là vous pouvez ajouter des textes. Bon, après c'est vous qui voyez, mais bon, Lightworks est quand même un logiciel gratuit et très complet. Donc évidemment, le lien pour le télécharger est dans la description, et la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement a été montée avec le Lightworks. Et ce que je trouve bien avec Lightworks, c'est que c'est pas comme les Wondershare, Filmora et tout ça. Ça met leur grosse pub là au milieu. Non. Moi, c'est carré, clean. T'as jamais vu ça. Y a rien. Y a zéro pub. Donc, ensuite, on passe sur le second logiciel. DaVinci Resolve. Donc là, vous voyez aussi que je suis sur test pour vidéo. Donc, on peut faire la même chose. On peut aller prendre dans les téléchargements, aller glisser notre petit truc. Donc, finalement tous les logiciels de montage c'est comme ça hein. On peut pas dire le contraire.
Et là, du coup, on peut drag and drop. Et c'est le même principe que pour Lightworks. Hein, parce que j'ai pas trop besoin de présenter DaVinci Resolve. Parce que finalement, c'est la même chose que Lightworks. T'as compris? Voilà, c'est le même principe, sauf que là, en fait, on a plus zoomé, tout ça, plus précis. Alors que là, on a juste notre timeline normale. Donc ensuite, on peut refaire le drag and drop avec une autre vidéo, si vous voulez, nanani nanana. Le calendrier, par exemple. On a notre petite vidéo du calendrier, on va la mettre là. Et puis voilà, vous connaissez, basta. Enfin, voilà, vous connaissez, vous, voilà, vous avez compris. Donc c'est la même chose que Lightworks, donc DaVinci évidemment, on ne s'est pas attardé sur leur logo, mais leur logo c'est ce petit logo là, c'est le logo DaVinci Resolve, donc DaVinci Resolve aussi est totalement gratuit et le lien est aussi dans la description, et puis vous voyez l'interface c'est comme ça, hein, c'est pas... Là, vous voyez, c'est la même chose, donc là, j'ai pas cut, mais ça se fait. On va pas faire d'intro parce c'est pareil, vous faites le cut, etc. Alors, on est là pour... Donc cette vidéo, vous l'avez vue, hein, j'ai pas besoin de vous la montrer. Voilà, ouais. Donc vous avez vu comment ça marche à peu près. Après, moi, j'utilise pas trop DaVinci Resolve, donc je connais pas. Après, là, je vois qu'il y a Color, vous pouvez choisir les views, les playbacks, les timelines, vous pouvez ajouter des clips. Enfin, vous pouvez faire plein de trucs sympas aussi. Donc pour moi, le meilleur... C'est Lightworks parce qu'il est trois fois plus compréhensible et trois fois plus complet. Mais finalement, DaVinci Resolve aussi revient au même, mais je l'aime un peu moins. Voilà, donc c'est pour ça que j'utilise plus Lightworks. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche parce qu'évidemment, il y aura un tuto sur Lightworks. Mais bon, ça on verra après. Donc là, on a DaVinci Resolve et Lightworks, voilà. Donc, on revient... à notre écran d'accueil, donc le DaVinci Resolve et le Lightworks, je les ai mis tous les deux ici, bah parce que tout simplement c'est les deux logiciels les plus importants, enfin les deux meilleurs logiciels gratuits, parce que les deux ne font pas leur grosse barre là de pub là, c'est nul, c'est pour ça que je vous montre ces deux, évidemment les deux liens sont dans la description, et puis n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si cette vidéo vous a plu, parce qu'il y aura plein d'autres vidéos qui vont sortir comme ça d'ici pas longtemps. Vous inquiétez pas, il y en a en préparation, j'ai plein d'idées. Voilà. Et du coup, bah moi je vous dis à la prochaine, likez si vous avez aimé, mais bon, ça je pense qu'on a assez fait de vous le dire. Et puis après, bah qu'est-ce que je vais dire moi déjà? Ah ouais, faut couper ça au montage, merde. Bah à la prochaine.